Yo les gens, c'est Matt Gaming. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V Online. Depuis un petit moment, je suis pas revenu, mais je suis revenu pour le DLC Halloween. Donc accrochez-vous. Donc on a le nouveau véhicule qui est sorti. Je pense que tout le monde sait celui-là que c'est. Bien sûr, je me suis trompé. Et là, ça fera un peu plus de suspense. Voilà. Ça fera plus de suspense. Bien sûr qu'il n'est pas là. Ah non, attendez. Excusez-moi, attendez. Je croyais qu'elle avait respawn dans mon garage, mais non. On va l'appeler. Ça, je pense que vous allez voir le nom déjà. What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. I'll bring voilà, it by. Vous avez vu, c'est la vigilante qui est enfin sortie. Donc on va la tester ensemble et tout, voilà. J'espère qu'on pourra l'utiliser dans les courses, ça serait terrible, franchement. Donc, attendez. J'ai pas envie de vous spoil un peu. Donc, on va se diriger doucement vers l'avant. Doucement. Déjà voilà. Rien que l'avant. Terrible. Nous allons remonter ensuite. Et oui, c'est bien la Batmobile. Donc elle est terrible franchement. Je l'ai testée vite fait hier soir. Parce que je me connecte plus tellement. Vous avez vu de toute façon. La radio, merci. Je me connecte plus tellement sur GTA. Là, je me suis reconnecté parce que. Voilà, il y a la vigilante, quoi. C'est le véhicule que j'attendais. Voilà, on a le boost, déjà. Donc voilà, franchement. Donc, désolé si je suis. Il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines. J'ai eu du taf. Voilà, j'ai eu plein les choses à faire. J'ai pas eu le temps de tourner les vidéos. Après, j'ai eu des bugs de réseau. Donc, ce qui m'a empêché de mettre les vidéos que j'avais préparées pour les semaines. Mais vous inquiétez pas, normalement maintenant à partir de cette de la semaine là qui va arriver, et ben c'est un peu ça me fait un peu chier, mais bon malheureusement je vais devoir réduire le rythme des vidéos et ça passera de deux vidéos à une vidéo par jour sauf le week-end comme d'habitude parce que le week-end je les prépare justement. Donc voilà, mais bon c'est rare parce que la semaine j'ai pas le temps. Je travaille la journée, voilà. Donc voilà. Voilà déjà la vigilante franchement qui est pas mal. Franchement qu'est-ce qu'elle a, elle a le boost comme vous voyez comme la roquette voltique. Voilà. Je crois qu'on peut l'arrêter aussi. Ah non on peut pas l'arrêter. Je crois que vous pouvez l'arrêter. Attendez, je teste. Non on peut pas l'arrêter. Je crois qu'on pouvait arrêter le boost et l'entendre après. Bon, elle est déjà pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'elle a? Mitraillette, ouais. Un peu simple. Ah, ça m'intéresse. Les missiles à toute chercheuse. Attendez, donc ça sort, ça sort des côtés, ouais, ok. On a les missiles sans tête chercheuse. Donc là, il y a quoi foutre le bordel. Franchement, je pense qu'on va faire une vidéo pour découvrir cette voiture et en même temps les courses. Les nouvelles courses que Rockstar a ajoutées pour le DLC Halloween. Parce que oui, ils ont rajouté les courses Rockstar. Rockstar a ajouté les courses pour Halloween. Donc on va se les faire. Tranquillement. Voilà, franchement, ce véhicule est pas mal. Donc je sais pas encore si les nouveaux. Comment dire. C'est les nouveaux. Ah, les nouveaux éléments de Rockstar sont. On peut les utiliser pour les courses, dites-moi en commentaire si c'est possible. Et je pense que je regarderai tout seul déjà. Donc voilà, ça déjà serait bien. Et on va se tester là les nouvelles courses. Donc je ne l'ai pas faite encore, je crois. Ah si, je l'ai déjà faite, mais bon, vite fait, j'ai quitté en fait. Quand j'ai vu que c'était ça, j'ai quitté direct. Donc voilà. Enfer et damnation. Donc ça, c'en est une déjà, franchement, qui a l'air d'être pas mal.
J'ai fait juste le début où on était en deltaplane, mais bon, j'ai arrêté direct quand j'ai vu. Donc on va se le faire tout seul, pour découvrir déjà tout seul les gens, parce que s'il y a du monde, voilà quoi, ça va être le bordel. Oui, on joue en solo, bien sûr. C'est vrai que d'habitude je suis en partie privée, mais vocale privée, mais là j'ai pas envie. J'ai pas tellement envie. Voilà. Oh non, plus de casque. Ouais, je me suis fait une tenue. Enfin, c'est une tenue simple que j'avais faite, mais je vais rechanger. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai vendu d'un coup ma XA21 pour avoir la vigilante. Parce que j'avais pas assez et j'avais la flemme de faire les braquages. On va prendre le T20, tiens. Un petit peu de T20, ça fait pas de mal. Donc voilà, on commence déjà en deltaplane. Je sens que ça va être lourd. Je sais pas pourquoi. Déjà, c'est pas mal, franchement. En plus, il y a la petite musique là. Pour Halloween. C'est pas mal, franchement. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que c'est vraiment mieux géré sur ça. Franchement. Après, j'aurais pensé qu'ils auraient fait plus, ils auraient sorti plus que ça. Ils ont sorti quelques t-shirts aussi. Mais bon, voilà, quelques t-shirts, une voiture, pas la vigilante, peut-être quelques masques, je crois. Donc, on ira voir ça après. Hein. Je crois qu'il y a deux nouvelles courses, hein, il me semble. Donc, je suis pas sûr. Désolé, j'ai pas eu le temps de me renseigner encore suffisamment. Ah ouais, c'est reality shit, c'est bien fait en plus, genre les armes en feu et tout là. Ah c'est reality shit. C'est une tuerie, franchement. Franchement je suis en kiff total. Franchement. Bon après j'aime pas trop le deltaplane là, il est pas très rapide. Ah c'est peut-être parce que c'est pas le custom, parce que j'en avais un custom mais j'ai revendu. Je m'en servais pas du tout en fait. Je voulais m'acheter le tue là bien sûr. D'ailleurs je vous ai pas fait une vidéo dessus. Ah si si, je vous l'ai fait voir je crois, il me semble. Bah dites-moi en commentaire et puis si je l'ai pas fait, je vous l'ai pas fait voir, je vous ferai pour la vidéo de la semaine prochaine. De la semaine d'après celle-là, il y aura cette vidéo là. Voilà. Déjà c'est pas mal franchement, le custom géré. Franchement je trouve que c'est bien, franchement pour le DS Halloween. Bon, il manque des trucs, c'est sûr, on va laisser un peu plus. Déjà le Rockstar, l'année dernière, on n'avait pas fait grand chose. Mais c'est l'Halloween. Voilà, c'est bien marrant. C'est déjà pas mal, franchement. Comment dire, il faut se faire avec les moyens du bord. Parce que bien sûr, ça coûte cher de vouloir faire tout ça. La course, ça sera un peu bête quand même. Je pense que c'est parce qu'il est un peu lent, c'est pour ça je crois qu'ils ont mis celui-là en fait. Pour bien voir la map, comment c'est fait et tout. C'est vrai que c'est vrai, ouais, c'est terrible franchement. C'est terrible franchement, je kiffe ça franchement. Ah, si, la moto aussi. Terrible. Que Rockstar sorte et tout. C'est vrai que je vous fais avoir deux DLC en même temps, le DLC des courses polymorphes et les DLC des courses d'Halloween. Voilà. Donc cette vidéo là, voilà, on parle, cette vidéo sortira le 31 octobre. J'espère pouvoir la sortir, mais je vais tout faire pour la sortir de toute façon, ne vous inquiétez pas, elle sortira. Donc voilà, franchement elle est terrible. C'est quoi sa tête de loup? Non, me dis pas. Oh non, ils nous ont mis en. Oh, Michto! Alors, en tant que pro, vous disposez de faire voir ce que c'est le DL2 et appuyer sur carré pour faire un super saut. Ah ouais, terrible! Oh là 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 là! Mais c'est terrible, franchement, c'est comme ça. Qui aurait imaginé qu'on aurait eu ça? J'avais pensé que Rockstar aurait fait ça.
va se faire chier, on va pas s'embêter, hein. Ce perso. Hop là. C'était libre, franchement. Je suis au kiff total. Ça serait micheté ou des fantômes sur GTA 5. Imaginez vous mettez en mode fantôme et tout. Bon, à part pas le fantôme comme il y a en voiture. Quand on est en voiture dans, je sais plus dans quelle activité d'ailleurs. Mettre le fantôme genre on peut traverser les murs, on peut rentrer sous la terre, voilà et tout. Ah bah cool. Ah mais j'ai tiens. On parle des nouvelles voitures. Sûr, c'est dommage, je peux pas mettre le mode Rockstar. Le mode GTA, excusez-moi. On peut pas se tuer ou descendre de la voiture. C'est dommage. Oula, oh, ça fait longtemps que j'ai pas touché un peu à GTA. Désolé, hein. Je pense que je suis dégueulasse là. Je prenne un peu l'habitude. Le véhicule est long. Bon, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Et pour pouvoir me suivre dans mes prochaines vidéos, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.